Salut, bonsoir. Seulement vous dire que demain, je compte faire une vidéo sur Chofu, l'endroit où Confucius est né. Et que voilà, je me trouve en Chine, en fait, j'enseigne là. Je m'excuse parce que ça fait des années et des années que je mets rien sur Internet, sur YouTube. C'est tout d'abord parce que je suis vraiment très timide, comme la plupart d'entre nous. Mais bon, j'en parlerai davantage à un autre moment. J'ai décidé de faire plus de vidéos YouTube sans guide, sans script, sans rien, de manière naturelle. Donc, je vais essayer d'être le plus naturel possible. Allez, on se voit demain. Je prépare tout aujourd'hui. Au revoir. Bon, mais c'est ici que je voulais venir parce que j'adore la station de métro de Jinan, surtout celle de West Railway. En fait, je ne sais pas si on peut voir. C'est vraiment moderne. Non seulement ça, c'est vraiment sûr. Et ouais, pour toutes les femmes qui veulent voyager toutes seules, parce qu'il y a pas, il y a vraiment beaucoup de contrôle. Et non seulement, bon, il y a beaucoup de contrôle, et puis c'est super propre aussi. C'est un peu comme la station de Madrid, mais sans fuite d'eau et à mieux. Je vais maintenant essayer de prendre le ticket pardon, pour aller à Tifo. À tout à l'heure. Bon, mais comme j'avais faim, j'ai décidé de rentrer dans un restaurant et j'ai commandé quelques, vous savez, des soupes de spaghetti noodles qu'on appelle. Et voilà, il faut encore attendre. Ça, c'est une belle vie qu'on a en Chine. On attend lorsqu'on fait la queue, on attend lorsqu'on va manger, on attend. C'est bien plus calme, c'est bien plus calme qu'en Europe où on est tout le temps stressé, tout le temps en train de courir par-ci, par-là. Donc je profite pour dire que j'ai adoré le train, que lorsque j'étais dans le train, je trouve que c'est mieux que le TGV. Et en tant que Française, j'ai jamais trouvé rien de mieux que le TGV. Donc quelque part je suis déçue. Allez les Français, on peut battre les Chinois dans la construction de trains rapides. Je vous encourage. Non seulement ça, mais il y a eu une femme de ménage en train de nettoyer le couloir. Il y a une autre femme qui vendait des snacks, des gourmandises. Et finalement, il y a eu deux hommes qui veillaient à la sécurité des personnes, des voyageurs. Notamment, il y avait un sac qui n'était pas placé correctement dans le compartiment de sac. Ce sac, il avait une bouteille vide et la personne avait fait la remarque au propriétaire du sac pour prendre la bouteille vide avec lui et pour, remettre le sac correctement afin qu'il ne tombe pas. J'ai beaucoup aimé. Je me demande comment un Chinois percevrait les manières européennes de voyager, quoi. Maintenant, je me dis que peut-être ils doivent se dire comment les gens ils peuvent voyager, sortir vivants d'un train, d'un voyage où les sacs ne sont pas placés correctement. Mais bon, ce sont des façons de regarder les choses. Je suis vraiment très 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 contente. Allez, à tout à l'heure. Bon, mais apparemment, la vidéo qui était faite en français, il n'y avait pas de son. Donc je vais essayer de la refaire encore avant de partir, de continuer, parce que je compte aller au temple. Ce que je disais sur Confucius, qui était le plus important, bien plus important que mon thé, c'est en fait qu'il n'a jamais quitté la Chine. Donc s'il y a une théorie qui indique quelque part, qui indique que Confucius avait visité, avait vu, avait vécu au Nouveau Monde avant l'arrivée des conquérants espagnols, ben c'est faux. Et je peux le dire dès maintenant, après avoir lu et après avoir visité le musée. Et en fait, il n'a jamais quitté la Chine. Par contre, et ce qui est très 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 intéressant, et que je montre dans cette vidéo,
si tout se passe bien, c'est que si, même s'il n'a jamais quitté la Chine, lorsque, pendant la Renaissance et dans l'Empire, disons, catholique, espagnol, que sa pensée a été introduite. Je m'explique. En fait, Confucius, il divisait la société de son temps dans deux types de personnes. Il y avait les humanistes. Les humanistes, si je me souviens bien, ce sont les gens qui essayent de faire le bien en se dégageant des conséquences. C'est-à-dire qu'ils essayent de ce qui a été, ce qui a donné le bénévolat, pour ainsi dire. Alors que les gentilshommes, sous les yeux de Confucius, sont ceux qui essayent de faire les autres faire comme lui. C'est-à-dire les gens qui veulent que tu fasses comme eux, pour eux avoir une sorte de gratitude ou de... Voilà, il y a des gens qui passent, il y a des gens qui nous regardent. Il y a maintenant un gosse qui est en train de jouer les cloches. Et j'essaie d'expliquer ce que c'était qu'un gentilhomme à l'époque de Confucius. Ben, c'est celui en fait qui veut être imité et qui veut être admiré. Et donc, toutes ces actions tournent autour de ça. C'est-à-dire que je veux que cette personne, elle ait du succès. Comme ça, moi, j'ai encore plus de succès et les gens, ils vont éprouver de l'admiration pour moi, parce que je l'ai aidé, pas pour lui. Ça, c'est un gentilhomme. La société de la Renaissance, elle avait aussi cette division. C'est-à-dire qu'il y avait l'humaniste, il y avait le gentilhomme, mais l'humaniste, il était le catholique, celui qui était dans la religion catholique, qui a été un intellectuel catholique, et le gentilhomme, c'était celui qui appartenait à d'autres religions, aux religions nouvelles. Bon, mais je réessaye encore, parce que j'ai pris une photo. Comme je disais tout à l'heure, il est 1h30 du matin, de l'après-midi. Il y a beaucoup de soleil et pas beaucoup de nana. Et on m'avait dit que faire le musée et le temple étaient très loin. C'est à peu près 1 heure à pied, après ce qu'on m'a dit. Mais je ne sais pas si vous pouvez voir vraiment les vues. Voilà le fleuve, il est sublime, c'est super propre. Voilà, je ne sais pas si vous voyez la rue. Il n'y a pas beaucoup de voitures pour être une ville assez grande, d'accord, mais c'est un endroit super beau, ça vaut la peine de se promener à Corfu et ouais, ça vaut la peine et je le conseille à tout le monde. Allez, à tout à l'heure. Fine, normalement il y a le temple de Confucius pas très loin d'ici aussi, sauf que je ne le vois pas, je ne le trouve pas. Et le Bimap, me donne une indication que je crois n'est pas très, très correcte. Donc, on va continuer de faire un tour dans le parc, parce qu'ici en bas, il y a aussi une sorte d'exposition ou d'exhibition concernant cette personne. Et si je ne trouve pas le temple, ou la maison où il est né, plutôt, la maison où il est né, sur internet c'est dit c'est un temple, ben on va là où il est décédé. Si on ne trouve pas un endroit, on peut bien trouver l'autre. Allez, à tout à l'heure.